poneys. Ils sont 20 à s'affronter. Nous avons l'UCPA de Villeneuve qui est présente. Nous avons le Haradjardi. Nous avons également le Poneyland d'Anthony. Les chevaux, nous avons Spaghetti le 1 avec Manon Gallo. Oh Beauty le 2 avec Inaya Abou Faris. Le 3, c'est Mini avec Anna Nour Schmidt. Le 4, c'est Volka associé à Jenna Zegdana. Le 5, c'est Terminator avec Alex Merle Raymond. Le 6, c'est Oasis avec Jana Dogri. Le 7, c'est Ola avec Julie de Coster-Bosi. Le 8, c'est Starlight avec Lara de Bachy. Le 9, c'est Lune avec Léna Legrezi. Le 10, c'est Lustucru avec Benjamin Baron. Le 11, c'est Udada avec Adrien Le Kieffre. Le 12, c'est Aïda avec Louis Vadeblé. Le 13, c'est Racker avec Constance Collonge. Le 14, c'est Rebelle avec Charlotte Tétard. Le 15, c'est Vodka avec Majlan Duguet. Le 16, c'est Bambi avec Théo Bonhomme. Le 17, c'est Son avec Margot Michel. Le 18, c'est Papaye avec Marina Pacini. Le 19, c'est Suprême avec Shani Mastenog. Et le 20, c'est Starlight avec Thaïs Selos. Il y a deux Starlight, hein. Starlight 1 et Starlight 2. Starlight 1, c'est le numéro 8. Starlight 2, c'est le numéro 20. Attention, on va bientôt partir pour cette course en ligne droite, 250 mètres, avec un leader qui s'appelle Quito. Attention, le leader, c'est le cheval, bien sûr, du moins le double poney ou le cheval qui est à côté. Les poneys se préparent. On va partir dans quelques instants. Qui sera le plus fort parmi ces 20 poneys? Ça va aller très très vite, 250 mètres en ligne droite, on passe sous les ordres avec le départ qui est donné. C'est parti très vite avec Bambi qui est très bien parti, numéro 16. On est bien parti aussi avec Aïda, le numéro 12, Aïda Kazak Violette. On a également un bon départ me semble-t-il pour Rebelle, un bon départ aussi pour Starlight. On saute un obstacle et ça s'est bien passé et on revient très vite avec Bambi, Bambi qui va prendre la tête, j'ai l'impression. C'est Bambi qui va probablement s'imposer et qui est revenu s'imposer. Starlight se défend bien. Aïda est là également. C'est serré pour les places. Écoutez, on va savoir dans quelques instants qui prend la deuxième et la troisième place. Mais il me semble que c'est Bambi qui a réussi à remporter cette victoire et ce championnat du lit aujourd'hui. Oui, c'est bien ça. C'est le numéro 16. Quelle vedette ! Bambi qui s'impose. Deuxième place pour Aïda, le numéro 12, qui s'est montré courageuse jusqu'au bout. La troisième place pour Starlight, le numéro 20. Et quatrième, le 17, Sun. Une arrivée 16, 12, 20 et 17. C'est le Starlight numéro 2 qui se termine deuxième. C'est donc le Poneyland d'Anthony qui gagne avec Bambi. 5 courses pour ce championnat. Et donc, on va remercier aujourd'hui quand même l'UCPA de Villeneuve. On va remercier Pascal. Le Haradjardi. Je vais essayer d'interviewer le gagnant. Il est où, Théo? Je le regarde, je le cherche. Il est là, Théo. Viens près de moi. Attends, on va se mettre au milieu des autres. Viens, attends, on va aller avec tes amis. Hop, on se met au milieu des enfants. Et il est là, le gagnant. On va l'interviewer. Et comme les jockeys qui gagnent les courses, hein, toi, c'est pareil, t'as gagné ta course. Viens, on va se mettre de ce côté-là, comme ça, il y a tous tes copains et tes copines derrière. Raconte-nous alors comment ça s'est passé. T'es parti pas très bien, j'ai l'impression. Oui. Et ensuite, alors comment ça s'est passé? Bah, il a avancé. Et alors, il a bien sauté, j'ai l'impression. Oui. Et à quel moment tu t'es dit, je vais peut-être gagner? Je sais pas. Au poteau? Oui. T'as quel âge? 10 ans et demi. Ça fait longtemps que tu fais du poney? Oui. Bambi, c'est la première fois que tu le montais ou tu... C'est un mâle ou une femelle, Bambi? Un mâle. C'est la première fois que tu le montais? En course. Et comment il est? Quel caractère? Il avance. Il est? Il avance. Ah, il avance, ouais, c'est clair. Bon, bah bravo en tout cas, Théo. Tu es le gagnant. Deuxième, c'est Louis. Il est où, Louis Vadeblé? Voilà, il est où, Louis? Deuxième. Pas mal, deuxième. T'es battu sur la fin? Oui. Content quand même? Comment? Content quand même. Tu es content quand même? Oui. Bon, t'as quel âge, toi? 9 ans. Bon, et ton poney, c'est Aïda. C'est une femelle, là, hein, je dis pas de bêtises. Elle est facile à monter? Oui. Bon, bah bravo, en tout cas, tu es médaille d'argent. Et troisième, c'est Thaïs. Elle est où, Thaïs? Thaïs, troisième. Viens, approche-toi, je t'en prie. Tu montais Starlight. C'est un garçon ou une fille? C'est une fille. Bon, alors comment elle est, elle, comme poney? Bah, elle est bien. T'as quel âge, toi? J'ai 10 ans. Et ta course, nous raconte en quelques mots? Bah, ça s'est bien passé. Troisième, t'as pas de regrets, ça s'est bien passé comme tu voulais? Non, ça s'est passé comme je voulais. Donc médaille de bronze, voilà. Bah, bravo à tous en tout cas. Et Pascal, je vous les laisse, voilà, bravo. Allez, remise de prix. La remise de récompense, on va les faire monter un par un sur le podium. Vous allez pouvoir les applaudir au fur et à mesure. Et vous venez d'entendre l'interview donc du lauréat de cette deuxième épreuve du championnat Gulli Graines de Jockey. Et je vais demander, il était en selle sur Bambi, à Théo Bonhomme de monter sur le podium. Il y aura un cadeau pour chacun et chacune des participantes. Mais en plus, il a la photo comme un vrai jockey de l'arrivée de sa course et les cadeaux qui lui sont offerts. Deuxième place pour le numéro 12 en selle sur Aïda, Louis Vadeblé, le Haradjardi qui prend la deuxième place de l'épreuve.
Allez Louis, on monte sur le podium et on va prendre voilà, son cadeau et la photo évidemment. Troisième place pour Starlight, c'est Thaïs Sellos pour le Poneyland d'Anthony. Quatrième place pour le numéro 17, c'était Sun, Poneyland d'Anthony, encore avec cette fois Margot Michel qui va les rejoindre sur le podium. Allez Margot! Cinquième place pour le numéro 11, Udada, c'est Adrien Lecrieff pour le Harajardi. Adrien qu'on peut applaudir également. La sixième place, c'est pour l'AS Spaghetti, l'UCPA de Villeneuve, Manon Gallo, qui va rejoindre également le podium. Sixième, donc Manon. Septième place pour le numéro 2, Obioti, avec Inaya Aboufaris pour l'UCPA Villeneuve-la-Garenne. On continue avec la huitième place, c'est pour le numéro 7, Ola Julie de Costerbosi pour le Hara de Jardy. Ensuite, en selle, donc, neuvième place, bah, c'est pour le numéro 9, c'est Lune et Léna Legrinzi, Hara de Jardy également, qui prend la neuvième place de l'épreuve. Dixième place pour Vonka, l'UCPA Villeneuve-la-Garenne, avec Jenna Zegdana, qui va les rejoindre sur le podium. On applaudit Jenna également, qui va aller prendre son joli cadeau. Et ensuite, dixième place, donc, pour... Ben c'est, je l'ai dit, c'était pour Jenna. On a ensuite le numéro 18, Papaye, c'est Marina Pacini avec le Poneyland d'Anthony. On a ensuite, avec Rebelle, Charlotte Tétard pour le Hara de Jardy, qui va également monter sur le podium. On a le numéro 19, Suprême Poneyland d'Anthony avec Shani Masek-Nogues. Le numéro 10, Lustucru Benjamin Baron pour le Hara de Jardy. Et ensuite, le numéro 15, Vodka Poneyland d'Anthony pour Magellan Duguay. Et puis, on va appeler les autres concurrents également. Alors, je n'ai pas tous leurs noms, mais ce sont ceux qui ont chuté, qui vont pouvoir rejoindre le podium également, qui vont être récompensés. Voilà, je n'ai pas les numéros restants, mais je pense qu'il doit y avoir Mini, le numéro 3, Anna Nourschmidt avec l'UCPA Villeneuve. Il doit y avoir également Alex Merle-Raymond avec Terminator. Il y a... Donc Jana, je l'ai cité, Jana Dogri avec Oasis, le numéro 6. Et puis Constance Collonge avec Racker, le numéro 13. Et il me semble que j'aurais cité tout le monde, si je ne m'abuse. Ah, il reste encore le numéro 7. Mais non. Voilà, non, je crois qu'on a cité tout le monde. Non, non, c'est bon. Voilà, on va féliciter en tout cas tous ces jeunes concurrents. J'espère que ceux voilà, qui ont fait une chute à l'arrivée, eh bien, quand même, garderont un bon souvenir de ce parcours. On va féliciter encore, bien sûr, Théo Bonhomme qui remporte cette épreuve. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, pour la grande finale le 10 mai prochain sur l'hippodrome de Longchamp. On a encore eh bien, deux épreuves, bien évidemment. Et dimanche prochain, ici, on compte sur vous pour être présents, les centres équestres, bien sûr, et les jeunes cavaliers pour une nouvelle étape de ce championnat. Championnat Gulli, graines de jockey. On va remercier tous les accompagnateurs également qui étaient présents et qui les ont supportés pendant leur course. Et on peut encore une fois les applaudir.